Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 à la fraîche. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et j'espère surtout qu'on va pas se prendre de la flotte parce que là je suis entre deux averses. Parce que je voulais vous montrer un truc dehors, même s'il est spécial indoor. Donc j'ai fait une vidéo déjà en indoor, il fonctionne parfaitement bien en indoor. Vous allez le voir, je vous mettrai des petites images pendant que je suis en train de vous raconter ma vie. Comme ça vous verrez que ça fonctionne. Et aujourd'hui je vais vous présenter un truc qu'il y a dans ma boîte, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette à Tazou? Et bien dans la mallette à Tazou, il y a une autre boîte. Je vous présente le Mira Robot S60 FPV Butterfly. Bon, il y a un bien grand nom pour un tout petit engin. Je vais vous montrer ce petit engin parce que il mérite quand même une certaine attention, même si je pense qu'ils n'ont pas vraiment développé comme ils auraient dû développer. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Donc déjà, on a une super belle petite boîte. Comme je dis souvent, on s'en fout de la boîte, mais quand elle est belle, autant la montrer. Et voilà, voilà ce que vous avez dans la boîte directement, un petit pack complet. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un petit pack en plus avec trois petites batteries. Ça, vous avez le choix. On aura une petite notice ici, toute simple, en anglais, qui va vous expliquer les différentes fonctions de la radio et du drone. Donc ça, c'est assez simple, on va pas s'y arrêter plus que ça. Tac. Et quand on ouvre, que découvre-t-on? Alors on a un petit câble de chargement ici pour les petites batteries. Les petites batteries, ce sont celles-là, avec la prise, je crois que c'est MCX, il me semble que c'est petite prise MCX là, les petites prises de Tiny Hoop. Donc on est en 3,7 V, 200 mAh, 40C pour ce petit engin, et donc on en a trois. Vous aurez également les trois piles LR6 étonnamment fournies pour mettre dans la radiocommande de base. Tac. Sinon, radiocommande mode 2 sans maintien d'altitude, puisque c'est un petit drone FPV, et on n'a pas énormément de choses sur cette radio. Donc déjà, tous les boutons qui sont sur les côtés ici et là servent au trim, donc vous allez pouvoir trimer droite, gauche, avant, arrière, les rotations, et également un trim de puissance. Je ne sais pas trop pourquoi, si vous voulez avoir un peu plus d'accélérateur de ralenti, vous pouvez régler votre ralenti au tout départ. On a un bouton à gauche ici qui sert simplement pour binder l'appareil s'il est débindé, et le bouton de droite ici qui sert pour changer de mode. Oui, parce que ce petit engin a deux modes de vol, un mode stabilisé et un mode soi-disant accro. Soi-disant. Et sinon, les deux autres boutons qui nous serviront, bien sûr la mise en route, sinon ça fonctionnera pas, mais les deux autres boutons qui nous serviront seront ces deux boutons là qui permettent de simplement calibrer la manette. Bien sûr, elle est calibrée d'origine, donc pour la calibrer, vous maintenez ces deux boutons là, les deux boutons du bas, ils ressortent un peu plus que les autres. Vous maintenez cela, vous appuyez sur la mise en route et vous aurez un petit clignotement. Mettez bien vos sticks au centre, surtout le stick de throttle, et dès que ça va commencer à clignoter, et ben écoutez, vous bougez, vous faites le tour comme ça, comme il faut, sur toutes les directions, et ça va se mettre en fixe. Ça voudra dire que c'est calibré tout bêtement. Mais ça, vous n'aurez pas à le faire. Moi, je l'ai fait pour tester, mais j'en avais pas spécialement besoin. Et sinon, voilà ce qui nous intéresse, le petit Mira Robot S60, le Butterfly. Bon, il ressemble pas trop à un Butterfly, mais bon, c'est son nom. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce petit appareil? On a une petite antenne ici qui sert pour la vidéo, la petite antenne noire. Sinon, on a l'antenne là, parce qu'il est équipé d'une caméra. Forcément, c'est du FPV. Oh, faut que je nettoie ma lentille, je vois des petites traces. Et la petite antenne de Giga 4 qui est juste à côté. Donc, pas une énorme portée pour cet appareil-là, environ 50 mètres, je pense. C'est pour ça que je suis venu au boss, parce que non seulement on a des petits repères au sol, mais en plus, on a une distance limite d'environ 50 mètres. Donc c'est un peu plus simple. On voit que les petits moteurs brush sont clipsés, donc on peut les changer facilement s'il y a besoin. Donc le gros principe de cet appareil, c'est qu'il est hyper coqué. C'est vrai que c'est un plastique résistant, beaucoup plus costaud que du petit Tiny Whoop par exemple, ou le H36, ou tous ces E010 par exemple. Là, il est beaucoup plus caréné, beaucoup plus résistant. Donc la batterie s'installe tout simplement dans l'emplacement prévu à cet effet. Ça va se coulisser tout bêtement ici, et ça va être maintenu par le câble qui va être branché dessus directement.
pas de bouton de mise en route, ça se met en route dès qu'on branche la batterie. On a un seul petit bouton, vous allez le voir ici, c'est le bouton pour changer les canaux. Donc 48 canaux sur ce petit bouton là, simplement en appuyant petit peu par petit peu, vous passez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, etc. etc. jusqu'à 48 canaux. Donc un petit peu trop je pense, il n'y a pas besoin de 48 canaux, avec 8 ou 16 on s'en serait sorti, mais bon, il y a 48 canaux. Une petite caméra en 600 TVL avec 120 de fauve je crois sur 100 degrés, donc on a une assez bonne vue, elle est assez propre, c'est clair, il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir se tester ça, on va se faire un petit vol à vue, j'ai 3 batteries, donc au moins 2, un petit vol à vue, un petit vol en immersion. Bon, pratique hein, le fait de pouvoir tout emmener dans sa boîte, c'est sûr. C'est un gros avantage. Qui dit FPV dit masque, bien sûr. Donc le VRD2 est de sortie. Alors, pour la mise en route, eh ben écoutez, c'est tout simple. On va simplement brancher le petit câble qui est derrière. Tac, ici, le drone clignote. Vous avez deux clignotements, un rouge et un vert ici. On va allumer la radio. Et on est connecté. Allons-y pour un petit vol à vue. Donc on va partir en mode normal. Quand vous êtes en mode stabilisé, vous avez une petite lumière rouge sur le côté. Si je passe en mode accro, toc, la lumière rouge s'éteint, tout simplement. Alors petit conseil qui est marqué dans la notice et que je vous confirme, ne passez pas du vol stabilisé au mode accro pendant que vous êtes en train de voler. Le contraire est faisable. Si vous êtes en accro et que vous voulez remettre en stable, ça va fonctionner parfaitement bien. Par contre, du mode stabilisé au mode accro, je vous conseille de vous poser, de mettre en accro et de partir en accro. Allez, c'est parti en mode stabilisé pour le petit Mira robot. On n'a pas de mode headless, on n'a pas de mode return, on n'a aucun mode mis à part les modes de vol. Alors bonne stabilité, ça va, on n'a pas un souffle de vent ce matin. Hop, on va pouvoir régler le trim, hein, je pense pas qu'il y ait... Je ne sens pas de souffle de vent, donc ça doit être le trim. Donc super facile à régler. Hop, à droite, à gauche, voilà. Donc voilà, on est réglé. Allez, c'est parti pour une petite balade. Alors, les commandes répondent plutôt pas mal. J'ai rien à dire à ce sujet-là. La télécommande fonctionne bien. Donc là, on est à la vitesse maximum qu'on puisse atteindre. Wouhou ! En rotation, voilà ce que ça donne. Donc là, on est au max de rotation, en stabilisé. Hop. Donc pour la portée, je pense que je vais tester plus avec le masque que là en vol à vue, parce que... Wouhou ! Hop là, petite gamelle, on est reparti. Donc ouais, portée correcte, hein. Vous voyez, là je suis au bout, à peu près, donc j'ai fait environ 30-35 mètres. Petite touchette. Alors c'est ce que j'aime, hein. C'est vrai qu'il est parfait pour l'initiation au FPV. Tout petit, tout coquet, à la maison, c'est que du bonheur. Donc oui, ça correspond complètement à l'E013 de Ishin, que vous connaissez maintenant, le petit pack que je vous avais présenté. C'est à peu près la même chose, hein, au niveau puissance. Sauf que là, on est un tout petit peu plus petit. Ah, j'ai pas emmené de Tiny Whoop pour vous montrer la différence. Mais il est un tout petit peu plus petit. Donc voilà, ça vole super bien. En mode stabilisé, il n'y a vraiment aucun souci. Et on a une bonne petite autonomie. Parce que bah, on n'a pas non plus énormément de puissance. Je peux faire un test de punch, c'est peut-être un peu tard. Mais voyez, si je mets à fond, hop, il va monter, mais vraiment tranquillement. Donc, c'est vrai que ça simplifie les choses pour les gens qui débutent, et surtout si vous avez des problèmes, on me dit souvent j'ai du mal à stabiliser mon drone à la même altitude. Bah, c'est vrai qu'avec un drone de ce genre là, hop, il est parti, un peu à droite de trim, voilà, j'ai un petit souffle devant, pas grand chose mais ça suffit. Donc c'est vrai que là on a tellement, vous voyez, j'ai beau bouger le throttle, regardez, il n'y a pas une grosse différence de hauteur. Donc c'est beaucoup plus simple pour les débutants, pour les grands débutants ou pour les enfants qui s'y mettent juste, beaucoup plus simple de gérer son altitude, beaucoup plus facile, il ne va pas faire des mouvements sans arrêt de haut en bas. Allez, assez rigolé, je vais mettre une autre batterie parce que là, sinon je vais me croûter, il va falloir que j'aille le chercher. Environ 4-5 minutes de vol pour ce petit engin, ce qui est tout à fait raisonnable pour des petites batteries de ce genre là. Tac. Alors, je vais vous parler du mode accro. Et pour vous en parler, je vais vous le montrer en vol à vue. Déjà. Hop, on est connecté. Donc, il se connecte tout seul. Hein. Vous laissez le throttle vers le bas et il se connecte tout seul au bout de 2-3 secondes.
Alors c'est parti pour le mode accro en vol à vue. Alors, hop là, reviens Léon, il y a les mêmes à la maison. On le voit bien là. Donc, regardez, si je pousse un peu à gauche, il s'oriente et je relâche. Regardez, il se stabilise tout doucement. Regardez. Ça se verra peut-être mieux en marche avant. Regardez, je pousse en avant. Hop, et je relâche. Et puis, il se stabilise. Donc, on n'a pas un vrai mode accro. Regardez, je tire vers l'arrière. Hop, et il se restabilise tout doucement. Donc, c'est pas un vrai mode accro du tout. Hop, et oh, je me suis fait attaquer. Donc vous allez voir, très très compliqué, même si vous êtes un professionnel du FPV, vous allez galérer avec ce petit engin en mode accro, c'est sûr et certain, parce qu'il n'a pas les réactions qu'on attend. Alors je vais essayer de faire une figure, regardez, je vais partir assez haut, je vais mettre de la puissance, et je vais mettre à fond à gauche pour un roll. Et je coupe les moteurs. Et ben voilà, vous voyez ce qu'il a fait? Il est monté, il s'est retourné, et il est tombé à plat. Est-ce que je peux repartir? Ouais. Donc c'est pas vraiment un mode accro, on ne peut pas faire de figure, ça c'est sûr et certain. Et le pilotage est vraiment particulier, même si vous voulez, hop là, c'est spécial. Le mouvement a énormément de mal à partir, comme s'il y avait énormément d'expo. Au départ, il faut vraiment pousser pour que l'appareil prenne un angle, et une fois qu'il a réussi à prendre son angle, donc déjà si vous relâchez le stick, il va se restabiliser doucement, mais vous, quand vous allez commencer à piloter réellement et à tourner, à prendre des virages, vous allez voir qu'il est complètement impilotable en mode accro. Allez, c'est parti les amis. Alors je commence tout de suite en mode accro, et après on se fera une petite balade en mode stabilisé. Hop, allez, let's go. Donc c'est parti en accro. Je pousse en avant, je relâche le stick, hop là, j'ai pris une branche. Alors ça par contre il est bien, hein, il est costaud. Allez, on va essayer de se faire le petit tour de l'arbre là. Hopé ! Ça part dans tous les sens, c'est vraiment pas évident. Alors tant qu'on va tout doucement, on arrive à gérer, mais je vous assure que ça n'a rien à voir avec l'accro. C'est spécial, c'est vraiment très spécial. Bon, ça donne une idée de ce que peut être l'accro, mais ça traduit pas du tout ce qu'on peut ressentir avec un vrai racer. Le fait que ce soit toujours ramené, je vous dis, on est quand même semi-stabilisé. Donc ça donne une idée de ce qu'est l'accro, mais c'est surtout casse-gueule. C'est pas évident. Donc les figures, c'est pas la peine, hein, je vous l'ai dit. Il n'est pas configuré pour ça, parce, bah, tout simplement parce qu'il reste du gyroscope. Hop là, hop là, hop là, c'est parti. Trop tard, je suis à l'envers. Je vais le chercher. Allez, on est reparti avec une batterie neuve en mode stabilisé. Ah ben voilà, il y a un peu plus de pêche tout de suite. C'est parti mon kiki. Donc même à fond en avant, vous avez une bonne visibilité. Donc en mode stabilisé, c'est vraiment un bon petit joujou pour débuter. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Oui, je suis tout seul pour faire du FPV, mais on s'en fout, c'est un tout petit drone, il n'y a pas de risque. Donc vous ne ferez pas des acrobaties avec ce petit engin, mais vous allez vous familiariser avec le FPV, c'est sûr et certain. Allez, on va se faire un petit tour de piste. On va suivre les bosses, voir au niveau de la portée si j'ai rien qui lâche. Non, pour l'instant tout va bien. Donc vous voyez, j'ai les 50 mètres de portée sans problème. Je suis mon petit chemin là, hop. On bifurque, hop. Allez, on va se faire un petit parcours de FPV sur les bosses. Oh, très sympa. Hop, on va prendre celle-là, waouh. Non, sympa, franchement super sympa pour débuter, très marrant. Et surtout, aucun risque quoi de l'abîmer au premier choc ou à la première chute. Donc ça marche plutôt bien. Allez, je suis à fond en avant. Je suis au max en poussée. C'est impressionnant. En rassol, c'est plus impressionnant comme ça. Oh, oh, oh. Esquive rotative. Ça tombe bien, j'avais pas envie d'aller le chercher.
Allez, on va pousser à la fin de la batterie, on va voir ce que ça donne, on aura une idée de l'autonomie. Donc là par contre, je suis tout le temps à fond, hein. Je ne suis pas en indoor. Hein. En indoor, vous êtes loin d'aller aussi vite tout le temps. Hein. À moins que vous ayez une maison de 300 mètres carrés. Donc bon répondant pour ce petit joujou. Très peu de puissance, comme je vous l'ai dit, donc très facile de maintenir son altitude. Donc le petit joujou idéal pour vraiment débuter, le petit pack idéal pour se faire au FPV. Pas pour s'initier à l'accro, encore une fois, je vous l'ai dit. C'est vraiment pas l'engin pour s'initier à l'accro. Ah, je vais... Hop là. Si je me remets à l'accro, là, direct, ça fait quoi? Tac. Petite perte de puissance. Ah ouais, petite perte de pêche. Hop là, je remets en stabilisé. Et oui, j'ai eu une perte de stabilité. Donc je vous dis vraiment l'accro à éviter avec ce petit engin. Je vais le chercher. Donc voilà les amis, en ce qui concerne le Mira Robot S60, bah je vous ai tout dit. Voilà, c'est un super petit joujou pour débuter, pour s'initier. Franchement, il est costaud. Vous pouvez taper les murs, il n'y a pas de souci. Donc pour l'initiation d'un enfant ou quelqu'un qui veut vraiment voir ce que ça donne le FPV, bah c'est plutôt un petit investissement assez sympa pour s'initier. Mais encore une fois, surtout pas pour le mode accro, ce petit bébé-là. Donc voilà, bah j'espère que la petite revue vous aura plu, j'ai des surprises pour vous, je vous assure que j'ai des surprises pour vous, et pensez que le concours est toujours en route jusqu'à samedi qui vient là, donc allez voir la vidéo sur le JJRC H51 et participez pour essayer de gagner un des 4 lots mis en jeu surtout. Petite info, mon petit Fab préféré a ouvert un groupe sur Facebook qui s'appelle les Tazou, donc bien sûr vous pouvez me rejoindre moi sur Facebook, tout est dans la description pour me retrouver, Facebook, Skype ou par mail, mais mon petit Fab a créé le groupe Facebook qui s'appelle les Tazou, donc vous allez sur Facebook, vous cherchez les Tazou et puis bah, vous déposez une demande simplement et vous serez accepté si, bien sûr, vous respectez les règles, c'est-à-dire il n'y a pas de règles, il faut juste être sympa et discuter de nos passions en drone ou RC tout simplement. Donc rejoignez notre petit groupe sur Facebook qui s'appelle Les Tazou et vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment une petite communauté super sympa. Je vous embrasse tous les gens, je ne vais pas dire les gars parce qu'il y a aussi des filles, donc je vous embrasse tous les gens qui sont sur Les Tazou parce que franchement, je suis fier de vous. Voilà, je suis fier de vous, vous aidez la communauté. Dès qu'il y a une question, vous êtes tous là pour essayer d'aider la personne, donc bravo à vous et longue vie au Tazou. Allez, bien sûr, le lien sera dans la description. Moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien surtout, à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!